Cette miséricorde, elle a été très effective dans ma vie et le boulot est de m'en souvenir, d'en faire mémoire. Pour peindre la miséricorde et y consacrer plus de 50 tableaux, il faut l'avoir vécu. François-Xavier de Boissoudy a senti que c'était le moment. À travers ses peintures en noir et blanc se cache une vieille blessure et une guérison. J'avais une blessure d'enfance dont j'arrivais pas à me sortir, qui fait vraiment que je ne savais pas aimer. Et ça faisait 10 ans que j'étais marié et j'étais pas digne de mon mariage, quoi. J'étais pas. Je savais rien apporter. Je savais pas aimer, voilà. Même lointaine, certaines blessures cicatrisent mal. À l'origine, la quête d'un passé inconnu, précédant son adoption. Le mal qu'on nous fait, c'est pas l'adoption, c'est l'abandon, bien évidemment. Avoir été adopté, c'est une chance. Avoir été abandonné à 3 mois, enfin bon, c'est violent, quoi. Tu vois, c'est à cette fenêtre-là que, pour la première fois ici, j'ai vraiment fait, disons que j'ai fait une prière il y a quelques années, il y a 12 ans, je me suis tourné vers cette lumière pour demander au Seigneur de m'aider à m'apprendre à aimer. Voilà. Et pour apprendre à aimer ma femme. Voilà. J'ai demandé ça là. Et si je m'en rappelle, c'est parce qu'on m'a répondu. Si je puis dire, c'était un coin où il y avait Dieu. François-Xavier ayant été adopté, il y avait beaucoup de pardon à donner. C'est ce qui s'est produit il y a quelques années. Et je pense que depuis ce moment-là, il a toujours été très touché par la miséricorde. Et là, il est devenu vraiment peintre, même si en fait, il peint depuis qu'il a 5 ans. Choisir d'aimer. Voilà comme pourrait se résumer ce bouleversement qui a inondé le cœur de François-Xavier. Un sursaut qui a éteint les dernières braises de rancœur et apporté le pardon pour cette femme qu'il a mise au monde mais qui ne l'a pas élevée. Bénir et... la personne qui vous donne la vie, qui vous a donné la vie, c'était pour moi une conversion du regard. C'est-à-dire qu'on se regarde plus pareil. On se voit comme digne de miséricorde, peut-être. Digne d'être aimé. Autrefois guidé dans son art par l'ironie, le cynisme et la haine, il en est arrivé un jour à arrêter complètement de peindre. Son expérience physique de la miséricorde poursuit aujourd'hui son œuvre par un émerveillement permanent. Je vois des trucs très simples qui peuvent être des sujets de peinture, ne serait-ce qu'un verre d'eau dans lequel la lumière du jour se reflète. En fait, voilà les choses qui me rappellent ce moment de guérison. Ça fait tilt, quoi. Ça me donne envie de peindre. De temps en temps, il y a des bouts de compréhension de ce qu'on fait. Mais les gros bouts qui nous échappent. Et par exemple là, ce qui est important, c'est la hauteur de la tête de Marie-Madeleine. Elle est juste à la hauteur des pieds. Et il ne faut pas non plus que le Christ soit trop haut. Allô? Super, à tout de suite. L'arrivée des derniers châssis en vue de l'exposition qui lui est consacrée envahissent l'appartement familial qui lui sert d'atelier. Artiste et artisan dans son travail, François-Xavier les habille de toile pour y coller ses lavis d'encre sur papier. Et que deviennent ainsi des tableaux, ces multiples scènes inspirées par les manifestations de la miséricorde dans les évangiles. Là, c'est moins de la création, là. Les images qui me trottaient dans la tête depuis longtemps, genre
L'aveugle de Jéricho, je l'avais imaginé depuis longtemps, quoi. Il y a des textes qui sont capables de produire des images, voilà. C'est un thème qui m'est cher, comme celui de la résurrection et de la rencontre avec le Christ m'était cher. C'est des choses que qu'on a envie de partager quand ça vous arrive. Deux jours avant l'exposition, dialogue entre l'artiste et le galeriste pour accrocher les tableaux en noir et blanc. La dernière touche, cruciale, pour en révéler les ombres et la lumière. C'est ça qui, effectivement, traverse toutes ces toiles. C'est pour ça que je les aime, d'ailleurs, beaucoup. C'est qu'il y a cette lumière incroyable qui est symbolisée par le blanc de ces toiles, parce qu'il y a beaucoup de blanc, mais aussi cette lumière qui vient de ce noir, entre guillemets, qui est une sorte de faux noir, parce que quand on regarde les œuvres, c'est un noir d'abord qui est une sorte de gris, de bistre, mais aussi il y a du rose, il y a du vert, enfin il y a des couleurs extrêmement subtiles et dont on ne se rend compte que lorsqu'on est devant ces œuvres. Après, la lumière seule ne suffit pas, la grâce c'est autre chose. Mais c'est comparable à la lumière, en ce sens que ça change la vie. Voilà. J'aime bien Saint-Jean pour ça, d'ailleurs.